penses à quoi quand tu es sur le banc des pénalités? Je prie qu'on ne reçoit pas de but parce que dans ce cas, peur de te faire engueuler. L'entraîneur serait pas content de moi. Si t'étais un animal, lequel? Un lion. Un lion Zurich, quoi. Pas vos doigts, pas vos doigts. Zurich, quoi. Quelle est la partie du corps que tu regardes en premier chez les filles? Les filles ou les femmes? Majeur en tout cas. Non, moi je regarde l'ensemble. T'aimerais être entraîné par une femme? Ça peut avoir ses avantages. Ça peut avoir ses inconvénients aussi. Pourquoi tu dis toujours match après match dans les interviews? C'est là, je l'attendais, je ne l'ai jamais dit. Je l'ai jamais dit. Toi, tu ne l'as jamais dit. Il faudra revoir tes fiches. Alors, c'était une question générale. Pourquoi les sportifs disent toujours match après match? Et pourquoi tu ne le dis pas surtout? Parce que je suis différent. Tu fais quelque chose de différent durant les playoffs que tu ne fais pas durant la saison régulière? Pas nécessairement, non. La même routine. La barbe un peu plus, même pas? Ça va venir, on n'a pas encore officiellement commencé. Ça commence mardi, donc je peux encore la raser une deux fois. D'accord. Ah, tu sais qui commence avant pour être prêt d'être. Ouais, bah, ça, peut-être c'est les genoux là, ceux qu'on tourne pas beaucoup, ils prennent l'avance. En tant que vaudois, ça vous fait quelque chose de particulier d'affronter Lausanne ou bien... En tant que Villardoux, ça faisait plaisir l'année passée que Lausanne est montée en Liga. Ça fait plaisir de jouer contre eux, de jouer à Malais. En tout cas, je suis content de leur succès. Mais il ne faut pas qu'il y en ait trop non plus.